Dès lors que vous recevez des soins, des informations médicales vous concernant sont enregistrées par l'hôpital ou le professionnel qui vous reçoit. Symptômes, diagnostics, examens, compte-rendu, traitements, tout cela est important pour la continuité des soins et constitue en quelque sorte votre histoire médicale. Elle vous appartient et vous avez donc la possibilité d'en avoir connaissance. Ces informations ne sont pas nécessairement réunies en un lieu unique. Il vous faut donc vous adresser à chaque établissement de santé et chaque professionnel que vous avez consulté. Pour garantir sa confidentialité, vous êtes le seul à pouvoir accéder à l'intégralité de votre propre dossier médical. Vous pouvez le consulter sur place ou en faire la demande par simple courrier en joignant une copie de votre pièce d'identité. Dans certains cas particuliers, comme le décès ou la perte d'autonomie, vos ayants droit et certains de vos proches ont le droit d'accéder à une partie de votre histoire médicale. Ils devront alors justifier leur démarche et apporter la preuve du lien qui vous unit. L'accès au dossier médical est gratuit, à l'exception des photocopies et de l'envoi postal qu'il nécessite. En l'absence de réponse positive ou dans les délais, différents recours sont possibles. Renseignez-vous. N'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé.